Salut à tous et bienvenue sur Libertis pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo, un nouveau stream. C'est plus, on n'est pas sur YouTube là, c'est l'apéro du JV comme depuis 3 semaines, c'est le 15e épisode. Et aujourd'hui je suis très content parce que c'est une spéciale Dromois, puisqu'en fait je vais recevoir l'équipe du Hub eSport. Et le mieux en fait, bah, c'est que je me taise et que je les introduise directement. Ils sont là, ils sont trois. Nous avons Alvaena qui est streameuse. Alors comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Alors, toi, tu es la Dromoise qui a un peu quitté ta région pour partir sur Paris. Exactement. Oui, c'est ça. C'est un gros succès, mais on en parlera juste après dans le premier tour de table. Nous avons également Toufik. Comment vas-tu, mon Toufik? Bonjour Chris. Bonjour Chris, ça va. Ça fait plaisir que tu nous aies appelé pour partager un petit apéro jeu vidéo. Ça fait plaisir, merci d'avoir pensé écoute, à nous. C'est avec plaisir, je vois dans le chat écho, oui, non, il n'y a plus d'écho, c'est juste, j'avais oublié un petit réglage, mais tout va bien. Et merci à vous, parce que voilà, le Hub, c'est quand même la famille, c'est quand même un endroit incroyable, où justement, bah, on passe de formidables moments, et qui malheureusement, bah, en ce moment, malheureusement, ce Hub aussi est confiné. Donc ça me fait plaisir de pouvoir vous recevoir. Et forcément, le deuxième visage du Hub, qui est un peu la mascotte, c'est notre Tramos. Comment vas-tu, Tramos? Salut, bonjour les amis. Je vais bien, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Oh, ah bah, séduisant Chris. Moi, je suis pas aussi séduisant que toi, mais ça va super bien. Je suis vraiment très très heureux de vous avoir. Merci de vous être libéré. Merci au chat qui nous rejoint tout doucement pour cette nouvelle émission. Donc nous allons passer directement à la première partie de cet apéro où justement en fait nous allons faire un petit tour de table pour vous connaître, pour que vous puissiez dire un peu qui vous êtes. Donc c'est parti pour le premier jingle, on va faire un petit tour de table. Nous voilà donc dans la première partie de l'émission et forcément, comme le dit nos amis, il y a aussi ma petite équipe de modérateurs qui sont là tous les jours. Un gros merci à vous et qui vont avoir beaucoup de boulot dans les prochaines semaines, je tiens à vous signaler. Pour commencer ce tour de table, honneur aux dames, on va commencer par toi, Alvaena. Tu vas nous expliquer... Oh, c'était sûr. Eh ben oui, bah forcément. Tu vas nous expliquer un peu qui es-tu, quel est ton parcours et ce que tu fais actuellement. Alors, c'est compliqué quand même. Hein. Vas-y. Du coup, je me prénomme du coup Alvaena sur Twitch. Ça fait maintenant 4 ans et demi que ma chaîne elle est ouverte. J'ai dû arrêter pendant à peu près, je dirais, 2 ans voire 3 ans parce que bon, c'est pas tout beau tout rose sur Twitch malheureusement. Du coup, j'ai fait une très grande pause. Dis pas ça, je viens de me lancer, ça encourage pas ça. Et du coup, c'était pas tout beau tout rose, donc j'ai fait une très longue pause et au final après j'ai commencé à travailler, donc je travaillais donc je suis couturière. J'ai travaillé avec Hermès donc pendant plus d'un an. Et puis au final c'est pas tout beau tout rose non plus le travail. Du coup, j'ai préféré arrêter. Et du coup, en fait, je me suis mis à 100% dans les streams il y a maintenant 1 an et demi. Donc, ça fait 1 an et demi que je stream à temps plein et que j'en vis, bien évidemment. Je me suis installée sur Paris pour voir justement... Donc, avant, j'étais de Valence. Mm-hmm. Et puis, j'ai pris mes bagages. Je me suis dit, bon, je vais essayer Paris et tout puisque ça, c'est beaucoup plus gros en termes d'opportunités, en fait, au niveau du stream. Forcément, oui. Et du coup, voilà. Donc là, ça fait combien de temps que tu es sur Paris? Ça fait 1 an. 1 an, ok. Bientôt 1 an et demi. Et ça se passe bien pour toi? Au début, c'était compliqué. Mais maintenant, ouais, ça se passe super bien. Ok, il faut quand même préciser aussi que quand même, quand tu dis que tu as envie, oui, donc c'est quotidiennement, parce que tu as quand même une belle chaîne de 20 000 followers. C'est quand même un sacré parcours. Ouais, totalement. Et tu les as passés quand, les 20 000? Il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Non, les 20 000, je les ai passés il y a... Alors, j'avais fait un live caritatif, en fait, on s'était tous regroupés, donc c'était en Belgique. Ouais, je devais y être d'ailleurs, mais j'ai pas, à cause de ce qui s'est passé malheureusement,
En France, avec cette belle crise que j'ai pas pu m'y rendre, mais c'était le live de nos, enfin le live caritatif de nos amis les players du dimanche qui sont déjà passés dans l'apéro du JV, et on leur fait un gros coucou si nous regardent, et c'est le TVG5 qui réalise ça tous les ans et qui est une magnifique opération. Et du coup, donc c'est lors de ce live, tu disais que tu y étais. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était pendant le live caritatif, mais du coup, on a dû, du coup, en fait, on devait y rester 5 jours. Et puis, au final, en fait, on a préféré non, puisque en fait, c'est la décision en fait des personnes de Médecins Sans Frontières qui ont décidé en fait d'annuler le live parce que le coronavirus arrive à grands pas, et du coup, voilà. Ouais, c'était pas le top. Dans les commentaires, on a Dead Track, Lika, qui faisait partie du Tour de France et qui fait un coucou donc aux équipes du Hub. Nous avons encore qui nous rejoint. Donc il y a Alex Jack TV qui demandait si tu arrivais vraiment à en vivre aisément du stream d'Anaé. Donc Alvaena, Danae, c'est ton prénom, Alvaena. Donc est-ce que tu arrives à en vivre bien? Est-ce que ça fait combien de temps déjà que tu en vis? Parce qu'on a reçu mon collègue Chicken House qui lui en vivait depuis 2 mois. Toi, ça fait combien de temps que tu arrives à en vivre? Alors, sachant que j'étais en colocation pendant 1 mois sur Paris, c'est vrai que je finançais un peu, mais bon, pas beaucoup. Du coup, bon, j'avais un revenu, mais après, j'étais pas régulière comme là maintenant, et puis j'avais pas mon indépendance non plus. Et là, du coup, ça doit faire depuis le mois de janvier que j'en vis, oui, aisément. Enfin, aisément, oui et non, puisque c'est très cher Paris. C'est limite de la survie, hein. C'est extrêmement cher au niveau des tarifs. Pour faire une approximation, je suis dans un 28 mètres carrés, ça coûte 750 euros. Du coup, c'est extrêmement cher, plus toutes les taxes qu'il y a derrière, téléphone, tout ça. Mais sinon, en fait, ça dépend des mois. Ça dépend du contenu que tu fournis, ça dépend des jeux que tu fournis, ça dépend de ton humeur aussi, parce que ça impacte beaucoup aussi au niveau du stream. Carrément. Enfin, ça, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte au niveau du stream, et bon, il y a des fois je fais plus, il y a des fois je fais moins, enfin. C'est la dure vie de créateur de contenu où tu n'arrives jamais à avoir un revenu stable. Il y a des mois où ça va être bien, il y a des mois où ça va être moins bien, parce que il y a plein de choses qui varient, et c'est loin d'être un métier facile, créateur de contenu, je vous l'assure. C'est ça. Dans le chat, donc il y a le Hub Skysco qui vient de nous rejoindre, qui fait yo l'équipe du Hub. Il y a Alex Jack TV qui fait j'ai adoré l'interview de Toufik avec Chris dans le local du Hub il y a quelques temps. Ce mec a l'air super cool. Tu vois, mon Toufik, je t'ai dit que tout le monde voyait que tu étais super cool. Et Tramos qui rencontre un gros succès dans le chat. Tout le monde dit ton sex appeal. Comment tu fais, mon Tramos? Bon, on va passer à toi. Du coup, mon Tramos, tu vas nous expliquer comment tu fais pour faire tomber tout le monde comme ça. Incroyable, incroyable. Écoutez, les amis, c'est très simple. Je vais vous dire le secret avant toute chose. C'est d'abord et avant tout une histoire de tacos, sauce algérienne et de l'escalope. Voilà tout. Voilà tout. Tel est le secret. C'est savoir fusionner à la fois la beauté et le gras dans une seule et même personne. Tout simplement. C'est un peu ça l'histoire. C'est savoir aimer un tacos. C'est tellement pas donné à tout le monde. Du coup, on va parler de toi, parce que du coup, je fais une petite référence à mon ami Fred Moulin, qui hélas, vous êtes beaucoup à me demander pourquoi Fred Moulin ne passe pas dans l'apéro du JV, tout simplement parce que il n'a pas la connexion nécessaire, c'est un peu compliqué pour lui là où il se trouve, donc je lui fais un gros coucou. Et Fred, en fait, je lui ai présenté le Hub, et quand il est venu au Hub, ben justement, il est tombé d'abord sur Tramos, et en fait, Tramos, tu as réussi à le faire tomber amoureux, justement, t'as ton charme opère sur tout le monde, mais à tomber amoureux de ta personne, mais également du lieu du Hub. Alors explique-nous, quel est ton rôle au sein du Hub? Alors, au sein du Hub, je suis donc le responsable de la salle, je suis la partie muscle du Hub. Je suis vraiment la partie muscle du Hub, c'est-à-dire que tout ce qui va être technique, tout ce qui va la présence en salle, le fait de s'occuper des clients tout simplement, et puis de la salle en elle-même, et puis d'organiser les événements, c'est moi qui m'en occupe tout simplement. Alors bien sûr, j'ai un apprenti avec moi qui m'épaule tous les jours, et fort heureusement et heureusement même, j'ai Monsieur G qui est ici, qui m'a absolument tout appris et à qui je dois tout simplement, parce que si j'en suis là, c'est grâce à lui. Et donc voilà, je suis vraiment la partie muscle de la salle. Ok, et du coup,
puisqu'on parle de salle et qu'on parle de monsieur qui a tout appris, on va terminer par le mentor, celui qui est là et qui a fait tellement de choses, les amis. Si vous ne connaissez pas tout ce fic, je vous invite vraiment à le suivre parce que cette personne a instauré un modèle. Moi, franchement, je te dis, je t'admire pour tout ce que tu fais. C'est pour ça que tu es là. C'est Toufik. Je crois qu'en plus que ta caméra, elle a bugué. Mais est-ce que tu es là, Toufik? Ah bon? La caméra, elle a bugué. Est-ce que tu m'entends? Non, non, nickel. C'est juste que tu arrivais à pas bouger. Non, je pensais bon. Que. Donc, si je ne bougeais pas. Je vous écoutais. Je vais vous dire une chose. Ça fait un mois que je suis en confinement. Je suis chez les skis, je vois personne, et là, je vois Danae, que j'ai pas vu depuis longtemps. Je vois Chris, que j'ai pas vu depuis longtemps. Je vois Pramos, que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je vous regarde, je me délecte, je me dis, putain, quel bonheur. Et c'est là que je me rends compte à quel point le contact des autres me manque. Ouais, carrément. Carrément. Là, je vous regarde, je me dis, putain, c'est vrai. Le contact des autres me manque, et puis, je vous regardais, et puis, j'écoutais parler Alvaina avec son succès qu'elle a actuellement. Je refermais les yeux, je voyais son parcours, je voyais également ton parcours à toi, Chris. Je revoyais le parcours là de Tramos. Vous êtes des gens qui sont qui vous êtes constamment en train d'avancer. Vous êtes constamment en train d'évoluer. Vous remettez en cause. Alors quand on fait des choses, quand on travaille, automatiquement, il y a toujours des détracteurs. Mais ce que j'aime en fait chez vous, c'est que vous êtes constamment en train d'aller de l'avant et vous osez. Vous osez, vous avancez. On vit dans un monde où c'est très dur de rêver. Vous savez, être rêveur aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous vivez le rêve de beaucoup de gens, que ce soit Alvaena, que ce soit Chris, que ce soit Tramos. Vous rêvez le rêve de tellement de personnes sur cette planète, mais ce qu'on ne dit pas, c'est l'immensité de travail qu'il faut abattre pour arriver un tout petit peu là où vous en êtes. Et pourtant, on est loin encore, c'est un succès, les amis, mais on est loin de la réussite espérée, vous comprenez. Moi, je vois Alvaena dans les prochaines années comme la plus grande des influenceuses. Moi, je vois Chris dans les prochains mois et dans les prochaines années comme le monsieur du jeu vidéo qui deviendra en fait un personnage extrêmement important. Je vois Tramos comme l'un des modèles, des responsables de salles, des futures salles de demain. Vous êtes, c'est vrai que c'est, j'hallucine là en regardant tous les trois. Vous êtes le futur, les amis. Moi, je peux juste te dire un énorme merci parce qu'en plus c'est très touchant parce que tu as été un peu celui qui nous a vu avant que ça monte pour nous, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours été très touché par ton approche et je tiens surtout à te dire, mais regarde aussi ce que toi tu as fait, parce que tu as tendance à beaucoup mettre les autres en avant. Tu nous as inondé de magnifiques compliments qui font énormément plaisir, mais justement en faisant ce tour de table, on va vraiment s'arrêter sur toi et expliquer qu'est-ce que le hub et comment tu en es arrivé ici, parce que forcément Danae a eu énormément de galères. Moi j'ai eu énormément de galères, surtout que toi tu connais toutes nos galères qu'on a eues. Il y a peut-être même des gens qui ne connaissent pas les... Je pense que c'est même toi qui connais plus toutes les galères qu'on a eues. C'est pour ça que ça touche énormément ce que tu nous dis. Mais toi aussi, tu as eu des galères et explique-nous ce hub, cette idée et comment tu as changé vraiment le modèle. Et je fais un énorme merci au chat qui forcément, eux, me connaissent un peu et qui me font plein de retours très positifs. Un énorme merci à vous aussi parce que nous, les créateurs de contenu, sans les gens qui nous soutiennent comme vous, qui sont derrière nous, il n'y aurait rien. Alors, un énorme merci. Vraiment, vous êtes au top. Et du coup, Toufik, je te laisse la parole pour que tu parles pour une fois de toi et de ce que tu as instauré. Bah, c'est vrai que là maintenant, comme Danae, on a commencé il y a à peu près 4 ans et 3 mois. On est arrivé en fait avec une idée assez révolutionnaire. Les bars e-sport contrôlés et étaient en place un petit peu partout en Europe. Et on les montrait et ils se présentaient comme le modèle à suivre, le repère des gamers, et que c'était dans cette direction qu'il fallait aller. Et on voyait en parallèle la montée de l'e-sport, le développement de l'e-sport, et je ne voyais pas comment, à terme, on pouvait faire en sorte que le modèle des bars de gaming propose en fait un rassemblement générationnel, propose un vivre ensemble générationnel que pouvait proposer en finale le jeu vidéo et l'e-sport.
quand je vois en 4 ans le développement de l'e-sport, c'est phénoménal ce qui s'est passé pour l'e-sport français, pour mais oui, vous êtes toujours là. Oui, il y a une petite coupure. D'accord, je m'excuse. Mais est-ce que ce sera nous demain qui représenterons l'e-sport? C'est surtout la jeunesse. La jeunesse qui est en train d'arriver, qui est en train de grandir, c'est eux qui feront sans doute, qui seront acteurs de l'e-sport de demain. L'idée est la chose suivante. Il fallait proposer des salles suréquipées sans la moindre goutte d'alcool. Il fallait être complètement fou pour proposer ça en plus à l'époque, parce que vous savez tellement que vous savez très bien que l'alcool, c'est extrêmement vendeur, ça attire du monde. Proposer effectivement des modèles sans alcool, c'était complètement suicidaire, hein, suicidaire à l'époque. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, puisque, comme tu sais, nous avons bousculé les codes qu'il y avait en place. Nous avons révolutionné notre secteur jusqu'au point où les deux fédérations qui étaient en place, qui étaient la Fédération française de jeux vidéo et la Fédération France e-sport, nous ont reconnus et nous ont labellisés comme effectivement le modèle à suivre. Et la consécration, c'est vrai que moi, mon grand défaut, c'est que je parle jamais, alors que on aurait tellement de choses à dire et à raconter. Mais c'est parce qu'en finale, j'ai été, enfin, j'ai comme vous, hein, j'ai morflé, les amis, hein, et morflé, le mot est faible, qui fait que je n'ai plus osé peut-être expliquer tout ceci, puisque au cours des deux premières années, tel comme un politicien, pendant des millions de fois, j'ai répété le même discours, à essayer de convaincre tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les responsables dans mon secteur, c'est-à-dire que même au début, mes responsables dans mon secteur ne croyaient pas du tout au projet du retour des salles de gaming. C'est important à dire. Tu as été censuré, tu as été boycotté. C'est vraiment incroyable. Alvaina confirmera. Censuré, boycotté. Peut-être que Danaï, elle confirmera. Ah, mais ouais, vraiment, le hub. Moi, je vous le dis, je suis pas trop salle de gaming. J'aime bien une fois de temps en temps. Je fais un petit coucou à mes amis sur Paris, le Reset Bar, parce que je connais celles qui gèrent le Reset, etc. Et je trouve que c'est un endroit génial. Mais il y a une fois de temps en temps, voilà, ça me suffisait. Le hub, et à chaque fois j'y allais une heure ou deux, ça me suffisait. Et le hub, à chaque fois que je suis venu vous voir, mais je passais une après-midi entière, une soirée entière, parce que dès que tu rentres dans le hub, mais tu as une atmosphère, quelque chose qui est mis en place, mais que je retrouve nulle part ailleurs, quoi. Donc franchement, c'est incroyable ce que vous avez mis en place. Je sais pas, donc Alvaina, ce que t'en penses, toi, du hub? C'est pareil, tu les as connus à leur tout début, t'en penses quoi? Exactement. Alors on t'entend de loin, là. On t'entend de loin. J'entends pas. Alors, je crois que ton micro, moi Allô? Je t'entends, mais de très loin, je crois que je t'entends sur ton stream. Aïe, 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 on n'entend plus Danae. On a perdu Danae. Vas-y, parle. Aïe, aïe. Mais c'est bizarre, parce que vous êtes la seule à ne pas avoir entendu. C'est ouais. Bon? Ah, c'est chelou. Du coup, moi, ce que j'en pense du hub, très sincèrement, je vous ai connu au... Ah, on t'entend plus. Ah non, on t'entend plus. Ton micro, il est en train de te feinter. Pas du tout. Mais pourtant, moi, j'ai pas vu le problème sur mon... Alors... C'est vrai qu'on a connu Danae à tous ses débuts. Vers Danae, quand je l'ai connue, je crois qu'elle avait peut-être 200, 300 followers. Ah, là, on t'entend. Ah, voilà. Là, c'est... Yes. Non, mais mon micro est en train de me feinter, c'est pas possible. Là, c'est bon, on t'entend. Attends, est-ce qu'on... je crois qu'on l'entend plus. Le micro, il décide de faire la grève. Eh ben, il y a DJH qui vient d'arriver dans le chat et qui fait « Hub, mon pote !» C'est bien ça. Salut DJH, le plus grand DJ du monde. Là, on t'entend, Danae. C'est bon ? Non, mais attendez, mais il y a un problème, c'est pas possible. Ça vient de... Là... Est-ce que c'est pas Skype qui règle automatiquement ton micro ? Ça, j'ai désactivé, j'avais le problème juste avant. Alors là, je sais pas, mais en tout cas, en fait, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Essaie de voir dans tes paramètres si c'est pas Skype qui... moi, j'ai rien touché depuis le début du stream, donc je pense pas que ça vienne de moi.
Bon, du coup, tant que Danae. Ah, attends, en fait, un coup on t'entend, un coup on t'entend pas, c'est ouf. Là, voilà, c'est bon. Okay. Nickel, c'est bon, on est reparti. Alors, donc, que penses-tu du hub? Donc, je disais, donc en fait, moi j'ai connu le hub au tout début. Mmh. Je crois que c'était au tout début. Je sais plus trop. C'était au tout début, ouais. Et en fait, c'est vrai que moi, on m'avait beaucoup parlé de la salle de jeu sur Paris. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est un bar gaming, par contre. Meltdown. Ouais, c'est ça, le Meltdown. La référence, c'était Meltdown, ouais. Exactement. La référence, moi, j'ai beaucoup entendu parler du Meltdown. Et en fait, donc, on m'a proposé un partenariat avec eux que j'ai refusé. Tout simplement parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop dans l'optique... Enfin, vendre de l'alcool et jouer aux jeux vidéo, voilà, c'est pas trop mon fort. Et en fait, c'est vrai que moi, j'avais, enfin, quand j'avais rencontré du coup le hub et l'équipe, c'était une ambiance posée, c'était tranquille, tout le monde rigole, il y a pas d'alcool, tout le monde fait, enfin, c'est vraiment un bar qui est convivial en fait. Genre, c'est limite tout le monde se connaît, même si les gens viennent qu'une fois en fait, ils sont là, on se connaît tous, enfin, on s'entend super bien. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue à moi, je pense que le hub ira beaucoup plus loin que les bars type Meltdown où ils vendent de l'alcool. Et en plus de ça, quand on voit la structure du hub et le Meltdown, si on compare les deux, je suis désolée de vous comparer, hein, mais le Meltdown, c'est extrêmement petit, c'est en souterrain, donc c'est vraiment tout petit. Il y a que 4 PC, je crois. Alors que le hub, je sais pas si vous avez une photo de votre salle que je puisse la montrer. Mais c'est une salle où vous avez combien de PC? Ils en ont un paquet. Alors, on a actuellement là 25 PC, une quinzaine de consoles. Ouais, c'est ça, 25 PC, une quinzaine de consoles. Il y a la, vous avez fait la, vous avez la VR aussi. On a la VR, on a les simulateurs auto. On va rajouter des PC supplémentaires là dans les 2-3 prochains mois. On a un sous-sol qu'on n'a toujours pas encore dépoussiéré pour pouvoir s'étendre. Mais c'est vrai que en fait ce que tu expliques, c'est le vivre ensemble, Alvaena. Moi, ouais. Mes deux problématiques, et tu connais mes discours, hein, mes discours n'ont pas changé depuis le début. Je souhaite qu'effectivement les gens s'entendent dans un monde qui est très compliqué, où nous avons tous des différences, que ce soit déjà le fait d'être une femme et un garçon, ça crée déjà de très grandes différences. Malheureusement. De venir de différents milieux sociaux, d'avoir des jeunes qui se mélangent avec des plus anciens dans leur respect, avec cette passion commune. Et c'est vrai que ce que nous avons réussi à créer, c'est du vivre ensemble. Dans un monde qui c'est très compliqué hein, de créer du vivre ensemble. Et c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué. Vous savez comment c'est très dur à ce que les gens s'entendent, parce que tout le monde a un avis sur tout le monde est très susceptible. C'est très compliqué d'effectivement mélanger les gens ensemble sans alcool. Avec l'alcool, c'est tellement simple, c'est tellement easy. Moi, je me serais lancé dans l'alcool. Vous apportez une vision positive du jeu vidéo au hub, parce qu'il y a eu plusieurs reportages sur vous, il y a eu plusieurs articles dans les journaux, et c'est vraiment une image positive que vous dégagez, parce que bah, justement, comme dit Alvaena, tout le monde s'entend, tout le monde parle ensemble, et c'est vraiment sans alcool, dans la bonne humeur. C'est incroyable. Et on croit aux gens. Je crois en eux. Alvaena, quand je l'ai rencontrée, elle était à 200-300 followers, où elle se rapprochait de la barre des 500. Quelque chose comme ça. Elle venait à peine de débuter. Et j'ai tout de suite, en fait, notre don, c'est vrai que nous croyons, je crois aux autres. Je crois réellement à l'autre. Après, il faut vraiment qu'ils produisent un travail pour que, mais j'ai tout de suite vu en Alvaena, et je te jure que c'est vrai. Je n'ai jamais changé mes discours. Je dis, elle deviendra la plus belle et la plus grande influenceuse française. Et Mais déjà, 20 000 followers, déjà, c'est énorme sur Twitch. Qu'est-ce que je dis, Web? Elle est jamais là, qu'est-ce que je dis, Web? On parle tout le temps.
tout le temps, tout le temps. Tu as une, on a une photo de toi, et là, c'est pas les bêtises, qui est, on a le bar qui est là, c'est, on sert à manger, on sert à boire. On a une photo qui est juste au-dessus, en face. On lève les yeux, on te voit. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu, la photo. Et tout le monde arrive, mais qui est cette femme? Vous connaissez pas Albaïna? Attends. C'est la future plus grande influence française, Albaïna. Et moi, j'ai pas ma photo sur le, allez, c'est bon, je quitte ce live. J'en ai marre, moi, il y a des, non, j'en ai marre. Il reste de la place, mais surtout en fait, c'est vrai que nous croyons, je crois beaucoup en l'autre. Quand j'ai vu Albaïna arriver avec son énergie, avec sa, je me suis dit, elle va y arriver. Et tu te rends compte, elle a fait quelque chose qui a été très très dur de faire, qui était de quitter là où elle a grandi. Elle a quitté là où elle était, son cocon familial pour arriver dans un endroit où elle connaissait personne, qui est Paris, c'est proprement incroyable. Et elle est arrivée, alors au début, j'imagine que ça a été extrêmement déprimant, mais maintenant, effectivement, elle se sent comme un poisson dans l'eau, parce qu'elle est là où elle doit être. Elle est là où elle doit être. Je reste persuadé que plus l'univers du gaming la découvrira, et plus, effectivement, elle prendra de plus en plus de place. Alors, effectivement, Albaïna à son propre caractère, parce que pour en arriver là, il faut avoir un caractère bien trempé, et c'est juste impossible. Enfin, je veux dire, si tu n'as pas ce caractère bien trempé, le lendemain, tu te suicides. Et le lendemain, ton discours est apprécié, parce qu'il y a Pitivier qui fait, il est hyper optimiste, touf, je le kiffe, bravo, tu vois, tu devrais prendre plus la parole, parce qu'effectivement, tu es très, t'es quelqu'un qui sait parler et qui a un discours qui est très cohérent. Il y a aussi Mastophone qui est de la Drôme, lui aussi, et qui lui aussi a quitté sa région et qui nous fait, c'est la commune du 26, en fait, et bah oui, c'est un spécial 26 stream drômois. Mais après, voilà, elle a eu raison de quitter, mais moi, je commence à me poser des questions, à savoir s'il faudrait pas que je me dirige un peu vers la région. C'est vrai, Chris, soit tu dois aller sur Lyon, soit tu dois aller sur Paris. Mais effectivement, tu es arrivé à un point pour ta carrière, pour ton développement, tu n'as pas le choix. Et après, tu pourras revenir. C'est pas un souci. Mais pour passer cette étape, tu dois aller sans doute passer ces 1 an, 2 ans pour être prêt de tous les éditeurs. Ah, mais c'est ce que je me dis. Pour pouvoir faire des reportages à l'intérieur. Mais je sais, j'imagine. J'imagine comment tu penses. Tu dois effectivement te rapprocher de Paris. Et moi, mon grand rêve, je tiens à le dire, c'est de vous voir tous les deux animer une grande émission de jeux vidéo. Déjà là, tu vois, on est en stream ensemble. Oui, mais c'est un bon début. C'est un bon début, mais c'est vrai que pour moi, le jour où, parce que moi je me délecte de la réussite et du succès des autres. Mais alors moi, le grand jour, ce sera où tous les deux, je vous verrai dans une émission de jeux vidéo à la télévision ou en stream. Mais je sais que ce jour arrivera. Je sais que ce jour arrivera parce que. Écoute, vous allez bien ensemble, écoute, en plus. Vous allez bien ensemble, vous êtes issus de la même région et vous êtes passés par les mêmes galères pour en arriver là où vous en êtes, où vous êtes arrivés. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous vous respectez. Je crois que ceci arrivera avant ma mort, je l'espère, les amis. Écoute, quand même. Meurt le plus lointainement possible, parce qu'on va pas parler de ça. Mais c'est vrai que tout ce que tu as pu me prédire jusqu'à maintenant, à chaque fois ça s'est passé, tu as appuyé ce don-là. Écoute, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est vrai que j'imagine des choses pour les autres. Bah, devine quoi, ça arrive pour eux. Bah écoute. Vous avez de la chance, les amis. C'est tout le mal que je nous souhaite. Moi, en tout cas, Daniel le sait, ce sera avec plaisir. En tout cas. J'espère qu'un jour, elle représentera une très, très grande marque. Une très, très, très grande marque. Et je crois que ce jour est plus proche qu'il ne l'était hier. On est bien d'accord? Aujourd'hui, je pense qu'on est plus proche qu'un jour Albaïna signe un grand contrat avec une grande marque qu'hier. Hein, Albaïna? Ah, j'aimerais bien. On te souhaite. Mais Albaïna, c'est pas que t'aimerais bien. Ça va arriver, Albaïna. Puisque c'est dans la continuité de ton parcours et de ton travail. Cela va arriver. Après, c'est vrai que je me plains pas. J'ai déjà de gros partenaires. Oui. Par exemple, j'ai Square Enix, j'ai PlayStation. Alors, tu as PlayStation. Ouais. Tu as Square Enix. Oui, donc je m'excuse. Tu viens déjà de signer avec deux énormes partenaires. Mais effectivement, tu es effectivement dans la continuité de ton travail. Et alors que tu n'as encore rien fait.
parce que t'imagines ce qui t'attend. Je suis optimiste pour ça. Après, bon, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, hein, malheureusement. Il faudra attendre, mais. Je pense que ça peut arriver dans les prochains mois. Quand je vois l'énorme travail de Liberty, s'il y en a un qui a un travail monstrueux, c'est Liberty. C'est vraiment hallucinant le travail qu'a battu Liberty aujourd'hui, d'avoir il y a quelques années avec des collègues à lui, d'avoir fondé ce Rockstar Magazine qui aujourd'hui est devenu l'une des pages les plus incontournables, ce qui lui a permis de se rapprocher de la maison mère Rockstar. C'est pour lui c'est un rêve qui s'accomplit. Enfin, vous rendez compte quand même. Lui, son plus grand rêve, c'est qu'à un moment donné, Rockstar reconnaisse son énorme travail. Et t'imagines que là, on est quoi? On est le 14 avril. Il y a 20 jours, le 25 mars, il m'avait invité chez eux à New York et que j'ai pas pu y aller à cause de ce virus. Oui, à cause du coronavirus. Mais ce n'est que partie remise. Ça y est, ton travail a été reconnu par la maison mère de Rockstar, et quand j'étais assis sortira, il y a de très grandes chances que tu disposes d'une wild card comme personne n'en a eu, pour pouvoir accéder peut-être avant tout le monde aux images, aux vidéos, et peut-être interviewer les développeurs là-bas. C'est où, c'est à Los Angeles? Leurs sièges sociaux sont à New York. Et j'espère, en tout cas, je peux vous garantir tout le travail qui a été accompli, justement, et je pense que Danané ne me contredira pas là-dessus, parce que tout le travail qu'on a pu mener jusqu'à maintenant pour arriver ici, même si c'est pas toujours facile, on va continuer, parce que justement, on a tellement donné pour en arriver jusqu'à maintenant que on va continuer à donner pour que ça continue et qu'on puisse aller plus loin. Donc, Et là où est votre grande réussite, parce que c'est surtout ça. C'est vrai que là, on voit Danae, on voit que Chris. Mais il y a des gens derrière eux. Il y a une équipe. Une équipe qui est fidèle depuis un certain temps, qui est avec eux depuis un certain temps. Ils ont réussi à fédérer. Ils ont réussi à fédérer autour d'eux. Et ça, je crois, c'est ça le plus dur. Créer des projets et faire en sorte que les gens restent avec nous, nous accompagnent dans ce projet. Faire en sorte que chacun se développe individuellement, mais aussi arrive à développer le projet collectif. C'est beau ce que vous avez réussi à faire. Hein. Parce que effectivement, c'est compliqué, mais ça va, on s'en sort comme on peut. Et réussir seul, je trouve qu'il n'y a pas trop de... C'est bien, forcément, et il y en a qui le font, et attention, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu avoir une équipe autour de moi. Alors, ça n'a pas été facile, d'une, parce que manager une équipe, c'est pas donné à tout le monde, et que je suis le premier à reconnaître que j'ai été loin d'être parfait et que je suis loin d'être parfait actuellement dans la gestion d'une équipe. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai la chance au total d'avoir 12-13 personnes. Maintenant, si je compte mes modos, des équipes de 16-17 personnes. C'est pas toujours facile parce qu'on a tous nos caractères, on a tous notre façon d'appréhender les choses. Mais c'est vrai qu'au plus dans le passé, quand j'étais très jeune, la toute première fois on a commencé à se connaître avec Danae, ça n'a pas été simple parce que forcément on était très jeunes. Et que je vois mes modos qui me disent tu es génial, Chris, t'inquiète, merci mon Mika. Mais j'ai pas toujours été génial, bien au contraire. Du coup, voilà, c'est vrai que l'important c'est de repartir du bon pied. C'est de repartir de zéro, de se dire que on prend de l'âge, on mûrit, on se professionnalise, et voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis ici, parce que j'ai une volonté aussi d'avancer, de bien m'entourer, et que là je pense qu'on est entouré de bonnes personnes. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir, et merci encore Toufik pour ces belles paroles dans le chat. Et un autre truc, une dernière chose, parce que quand je vois Tramos, Chris et Alvaina, votre grande force, c'est d'abattre un travail monstrueux que d'autres ne pourraient pas abattre. Je suis très sérieux. Votre particularité, vous êtes capable d'abattre un travail que d'autres ne seraient pas capables de faire. Et pas sur une courte période, sur une période qui est assez longue. De toute façon, la vie est un marathon. La vie n'est pas une course de vitesse. La vie est un marathon. Et vous avez cette capacité, tous les trois, Tramos, toi, Chris, Alvaina, à abattre un travail monstrueux quotidiennement. Moi, ce qui m'épate le plus, c'est que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, et ce n'est pas donné à tout le monde. J'observe énormément de personnes depuis un certain temps. C'est là que je me rends compte que vous avez une caractéristique qui vous mènera au succès.
c'est une certitude. Les trois personnes là que j'ai en face de moi sont des personnes de succès et qui connaîtront encore plus de succès dans un avenir proche. Ramos, c'est une certitude. Tris, c'est une certitude. Alvaina, c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'ombre. Tous les trois, là, vous êtes dans l'ombre. Mais à un moment donné, c'est une certitude, la lumière va se braquer sur vous. Et quand le grand public vous découvrira, tous les trois, oh mon Dieu, ce jour-là, je chialerai, je serai là comme c'est toi ça. Tu vas nous faire chialer, arrête avec tes bêtises. Jour de... Non, mais je te jure, ce sera le plus beau jour de ma vie. Moi, je parle souvent de Chris au Hub, aux gens, je parle souvent d'Alvaina, mais surtout, ce que je parle, c'est du travail que l'on ne voit pas. Le travail de l'ombre. Quand il y a quelques jours, on a accepté, il y a Stéphane qui est le président d'EDLC, qui est aussi le président de Francisport, qui a accepté d'échanger avec nous. Il a raconté son parcours personnel. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'était extraordinaire. On a découvert quelqu'un qui a abattu un travail monstrueux depuis le début, depuis 20 ans. Le mec, il ne s'est jamais arrêté. Il a été l'un des premiers vendeurs à bosser dans la première boutique de LDLC. Je sais pas si tu imagines quand même. Il a grandi avec son président qui est aujourd'hui l'une des plus grandes fortunes de France et d'Europe. Tu vois un peu le délire. Et c'est vrai que quand je l'écoute, je vous vois et je vous écoute, votre force, c'est d'abattre un travail quotidien, d'avoir un but et d'aller dans cette direction. Vous croyez en vous. Vous croyez en vous. Vous croyez en vous dans un monde où c'est très dur de croire en soi, c'est très dur de rêver, puisque dès qu'on est rêveur, les autres viennent et éteignent tes rêves. C'est ça le véritable problème. Les autres vont arriver, ta famille, tes amis, ton entourage, vont éteindre ton rêve, parce que eux ont du mal à rêver. Pourquoi? Toi, tu arriverais au final à rêver et accomplir en fait ton rêve. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est de réussir à avancer, à vivre son rêve tout en étant accepté et d'accepter le rêve par les autres. Parce que les autres voudront éteindre ton rêve. Je sais pas si tu comprends, Chris, ouais, ce que je bois tes paroles, hein, comme à chaque fois. C'est assez incroyable et c'est comme ça dans tous les secteurs. Je suis entouré de jeunes ou de moins jeunes. Je discute avec tout le monde. J'adore, moi, la connexion. C'est pour ça que j'ai créé un Hub. Pour créer du vivre ensemble, pour créer du lien. Et je vois des gens qui rêvent, mais qui n'osent pas rêver, qui n'osent pas aller de l'avant, qui n'osent pas y aller parce que on vit dans des villes, dans des sociétés, qui fait que on a du mal après à croire en nous. Pourquoi c'est vrai, tu sais, j'ai des jeunes qui me racontent des choses incroyables, et je lui dis, mais pourquoi tu me le racontes? Pourquoi tu fonces pas? Et là, la personne me dit, mais c'est compliqué, j'en ai parlé à mes parents, ils me freinent, ma petite copine pense que c'est quelque chose de pas sérieux. Personne ne peut savoir ce qui est réellement sérieux pour toi. Si tu crois vraiment que c'est fait pour toi, fonce. Et si tu échoues, qu'est-ce que tu vas perdre au final? La seule chose que tu ne perds rien, tu acquériras de l'expérience. Ça te permettra peut-être de rebondir sur un projet. Ça te permettra de rencontrer peut-être des futures personnes dans ton futur projet. Moi, si j'ai un conseil à donner à n'importe qui, si tu as un rêve, rêve ton putain de rêve, vis-le. Les autres, bien sûr, vont être là pour éteindre ton rêve, pour te freiner, pour te dire mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis est impossible, ce que tu veux faire est impossible. Eh ben, écoute, vis-le, fais-le. Et si vraiment tu échoues, bah tu diras, j'ai quand même essayé. Et on ne perd jamais son temps lorsqu'on crée, lorsqu'on bâtit. On ne perd jamais son temps. C'est que de l'expérience. Et vous êtes des bâtisseurs tous les trois, les amis. Je vais me taire parce que je vais laisser la parole aux autres. J'ai même plus les mots en fait. Je vous ai partagé dans le chat la chaîne de d'Alvaina. Je vous encourage à vraiment vous abonner à elle parce qu'elle fait vraiment de très bons streams. Et merci pour tes mots parce que moi je bois tes mots parce qu'en plus tu as tellement raison. Ne laissez personne
amis, oui. famille, petite amie, vous dire que vous n'y arriverez pas ou que votre rêve n'est pas légitime, on est tous différents, on a tous des rêves différents et en fait, battez-vous. Si malheureusement vous n'y arriverez pas, vous n'aurez aucun regret de ne pas y être arrivé. Et si vous y arrivez, vous aurez vraiment la fierté. Mais laissez personne. D'avoir essayé. J'ai essayé. Voilà. J'ai pris de l'expérience. Regarde, tu me parlais, tu sais, du jeune DJ Hicham. DJ H qui est dans le chat. Est-ce que tu te rends compte? DJ H. Enfin, c'est complètement incroyable. DJ H, est-ce que tu peux me parler de DJ H? Alors DJ H, s'il te plaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Hicham. Cela fait 15 ans, enfin depuis sa naissance, en fait, il a un grave handicap, puisqu'en fait, il ne peut pas se servir de ses mains. Et du coup, en fait, il a développé une dextérité, il joue avec ses pieds, mais il joue à FIFA, il joue à GTA, à Call of Duty, à Metal Gear Solid, à tous les jeux avec ses pieds, grâce à son papa, que j'embrasse parce que je connais bien sa famille du coup maintenant, puisque ça fait 2 ans que nous sommes véritablement très amis avec Hicham. Parlez avec lui, et si vous pleurez pas, ben bravo, parce que ce gars, quand il vous parle, il vous met des leçons de vie. Ah, il te prend au trip. Ah oui, non mais moi c'est carrément. Incroyable. Et en fait, son papa, il a mis 15 ans à lui confectionner une manette pour qu'il joue avec ses pieds, donc c'est une manette unique au monde. Et là, maintenant, il joue à tout, et c'est incroyable. Tu devrais faire des gigs avec lui. Si ça, tu veux que fou. Je te le présente, je te le présenterai. Et je... Ah mais ouais, tu devrais le présenter à Albaina, parce que c'est un personnage incroyable, malgré son handicap. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a déjà, comme je l'ai dit, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a avoir un handicap, ne pas avoir d'handicap. Avoir un handicap, c'est quelque chose d'extrêmement freinant dans la vie. Enfin, vous rendez compte. Vous rendez compte que ce jeune homme a eu un rêve, il est allé au bout de son rêve, et aujourd'hui, raconte Chris. C'est l'influenceur officiel d'Xbox France quand même. Il a été recruté par Xbox. Moi très clairement en fait, je l'ai connu parce que quand j'ai fait mon premier Tour de France, donc j'ai fait mon road trip et je l'ai connu. J'en ai des frissons à en parler. Hein. Vraiment c'est incroyable parce que c'est un homme qui vous marque parce que il est vraiment sincère. Il parle avec son cœur. Et vraiment moi à chaque fois que j'ai des vraies discussions avec lui, je chiale parce que il c'est incroyable, ouais, et son histoire. Tu m'en as mis les larmes aux yeux, là. Il a commencé, il avait rien. Il s'est fait un peu rejeter par tout le monde et il a quand même continué. Aujourd'hui, il est suivi par. Il a cru en lui. Mais tu te rends compte comment il a cru en lui? Et je crois que nous tous, c'est le plus déterminé. Je suis très sérieux. Tu ne connais pas. Et je ne le connais pas. Mais de ce que j'ai vu. Et de ce que je perçois. De jour en jour, il grandit parce que là, maintenant, il est suivi par Xbox, il est suivi par Ubisoft, mais le siège social d'Ubisoft, par les développeurs de Batman Arkham, parce qu'en fait, il se filme. Il a été retweeté par Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear. Et voilà. Et moi, Hicham, t'es dans le chat et je te le dis, tu es aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis. Et merci. Nous tous. Tu as été plus déterminé. Ah, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de déterminé, tu es une leçon de vie en fait. Moi, c'est ce que je lui dis à chaque fois, c'est une leçon de vie parce que je l'ai connu à un moment de ma vie où ça allait pas très bien pour moi, mais on va dire que c'était quand même des choses futiles de la vie et je me morfondais un petit peu. Puis je l'ai rencontré et j'ai vécu un week-end avec lui parce qu'on a fait un tournage un week-end chez lui, mais je suis reparti transformé en fait. Et maintenant, dès que ça va pas dans ma vie, je pense à lui en disant putain, mais. Merde, toi t'as pas à te plaindre. Regarde Hicham, le courage qu'il a eu et voilà. Et tous les gens qui l'ont rencontré. Il y a eu Bertrand Hamard, il a été interviewé par Bertrand Hamard, il a été interviewé par la télévision. Il a été reçu par le président, par le patron Xbox, maintenant par la patronne Xbox et tout. Il est suivi. C'est quelqu'un de fou. Il a battu à la Paris Games Week Bruce Granek à FIFA. Voilà, FIFA, Bruce Granek, c'est le champion du monde FIFA. Il a battu Bruce Granek à FIFA. J'avais partagé sa vidéo, il m'avait envoyé un message et je l'avais partagé la vidéo sur la page du Hub. Mais Albaina, il faudrait que tu joues avec lui.
Mais même, je suis sûr que ta communauté, elle va, vous deux, là, vous pouvez faire un duo assez incroyable. Hein. Il est demain dans l'émission, parce que comme j'ai dit, demain, c'est une spéciale Tous Gamers, et du coup, il y aura mon Alex, qui est aussi dans les chats, et qui est incroyable aussi. Alex, il fait du sim racing, c'est incroyable, vraiment, Alex. Il est incroyable. Oui. Et du coup, demain, on aura Alex, on aura Hichem, et on aura justement David Combarieux, Andy Gamer, qui lui crée des manettes pour ces joueurs-là. Demain, ça va être une grande émission, les amis, mais vraiment, je vous invite à aller voir. Vous savez quoi, je vais vous partager maintenant la vidéo d'Hichem, parce qu'on a fait un reportage chez lui, la vidéo elle dure 50 minutes. Rien que cette vidéo, moi dès que je la vois, elle me fait pleurer, je sais même pas comment j'ai réussi à tenir l'interview avec lui, parce que vraiment ça prend trive, on voit ses parents, et je le filme en train de jouer à GTA. Et pour vraiment montrer que c'est pas du fake, je filme l'écran, et sans aucune coupure, je transverse la cam pour montrer que ce joueur joue vraiment avec ses pieds. Et je vais vous montrer ça les amis, parce que c'est quelque chose à voir. C'est un joueur incroyable, d'une gentillesse incroyable. Et voilà, donc je vais vous partager dès maintenant dans le chat. Hop, et voilà. Et voilà. Et DJH qui nous dit dans le chat, avec plaisir pour un live avec Alvaena. Donc voilà, Alvaena aussi. Tu vas verser ta larme, je te le dis. Là, j'ai mis le documentaire, si vous voulez aller le voir. C'est un documentaire qui a déjà un an, puisque ça a été fait lors de l'été 2018. Et vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup, Toufik, en tout cas, de tous ces mots. On n'a même pas suivi le fil conducteur de l'émission. Il devait y avoir plusieurs jingles, comme à chaque fois. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu une spéciale. On a parlé de ce que vous avez accompli, on a parlé de vos cœurs, de ce que vous êtes capable d'encaisser. Ah ouais, aussi, ce que vous êtes capable d'encaisser. Tous les trois, vous êtes complètement incroyables. C'est là que, en fait, à 42 ans, je viens de découvrir une leçon de vie. Je suis en train d'observer tout le monde et je me rends compte qu'il y en a qui sont capables d'encaisser beaucoup plus en avançant. Beaucoup plus en avançant. Vous êtes capables d'encaisser. Et nous, tous les trois, tous les quatre, c'est rien. Alvaena, c'est une femme. Ouais. T'imagines? Est-ce que tu imagines? Est-ce que juste imagines? Moi, je peux même pas imaginer. Moi, j'avoue, je peux même pas imaginer. Je peux même pas imaginer. Si Alvaena veut revenir, parce qu'on va faire une spéciale, donc ça va être courant mai, spéciale femme dans le jeu vidéo, parce que effectivement, il y a des femmes qui en prennent plein la gueule et que c'est pas du tout justifié. J'aurais plein d'histoires à raconter. C'est pour ça que je pense à toi. et justement, je pense beaucoup à toi quand je parle aux femmes dans le jeu vidéo, parce que je connais un peu les emmerdes que tu as pu avoir. Et donc le documentaire, il est là, je l'ai mis. Et du coup, si tu veux revenir, bah, y aura pas de souci, parce que je vais essayer de regrouper plusieurs personnes. Avec plaisir. Parce que voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où les femmes, on voit que dans le gaming, malheureusement, les femmes ne sont pas l'égale de l'homme. Et ça, je ne comprendrai toujours pas pourquoi il y a des différences. Et je l'ai dit que dans le jeu vidéo, c'est encore plus compliqué, parce que forcément, c'est un milieu qui se veut encore très machiste, malheureusement, et que apparemment, une femme n'aurait pas sa place. Alors que je peux vous présenter de nombreuses femmes que si on les met à votre table, vous fermez votre bouche tellement qu'elles en connaissent mieux que vous, tellement qu'elles sont plus légitimes à parler de jeux vidéo que vous. Et voilà, donc moi, tu me connais, Toufik, hein, autant avec le handicap que l'homophobie, que le racisme, que le machisme, c'est des choses qui... Tu es... Alors oui, pareil, Chris, ton courage. Juste le jour où j'ai découvert ton courage... Dis-moi. Je ne dirais jamais, hein. Moi, j'étais là, je me suis dit, oh, mon Dieu, oh putain, je n'oublierai jamais. Tu étais venu au Hub, tu en avais fait en fait une interview et tu m'avais montré que tu dois te montrer, tu dois parler. Tu sais, on commençait à parler et à un moment donné, tu t'es mis à parler d'un sujet. C'est là que je me suis dit, mais putain, faut avoir des couilles pour parler de ce sujet-là. Devine de qui je vais parler. Je crois savoir. Non, mais en plus... Michael Jackson. Oui, non, mais Michael Jackson. Michael Jackson. Et c'est là que j'ai compris, c'est là que je me suis dit, c'est complètement incroyable parce que aujourd'hui, en règle générale, les gens, ils ont compris que si tu dis quelque chose et que ça va pas dans le sens du vent, tu te fais démolir. Tu te fais démolir par n'importe qui. Ah, j'ai plus de micro. Non, si, ça marche. C'est bon. Et je n'oublierai jamais. C'est vrai qu'on s'est mis à parler de Michael Jackson. On s'est dit, mais putain, on saura jamais, tu vois, la vérité. D'un courage, tu as expliqué les choses. C'est complètement hallucinant parce que je suis en train de me demander. Je me suis dit, mais j'aurais pris 10 000 personnes, 9 999 n'auraient jamais osé faire ce qu'il vient de faire et ce qu'il vient de dire. Et je suis très sérieux. Tu n'as pas été,
tu as été clair, tu as été enfin c'est là que j'ai découvert ton courage. C'est tu es une personne qui n'a pas peur de parler de sujets qui pourraient fâcher, qui pourraient comme le racisme, comme l'exclusion, comme les femmes, tu vas là où ça ne te pose pas de problème de parler de sujets qui pourraient braquer énormément de personnes. Je vais te dire un truc, c'est là, je me suis dit, j'ai tourné ma tête, hein. Je me suis dit, oh putain, les coronets, ce qu'il a, lui. Parce que pour parler de ce sujet-là, alors Kim 6 venait de passer un putain de documentaire, tu sais, sur Michael Jackson. C'est là que je me suis dit. Mais... Ou le Christ. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, comme les femmes en général, pas que dans le jeu vidéo, comme le racisme, comme l'homophobie, comme tout ça. Et c'est des choses où, oui, j'ai pas peur d'aller. Et même si je me fais blacklister par des gens ou quoi que ce soit, au final, je perdrai rien. Parce que si ces gens me blacklistent, ça veut dire que ces gens ne sont pas en adéquation avec ma pensée et je ne travaillerai jamais avec des gens qui sont pas... Parce que tu sais quoi, en fait, tu sais ce que t'es un humaniste. T'es un humaniste, jeune homme. Tu détestes, comment on appelle ça, l'injustice. Tu supportes pas l'injustice, tu la supportes pas. Quand tu vois quelqu'un d'autre souffrir, tu souffres aussi. Tu es un humaniste, Christ. Peut-être, je sais pas. En tout cas, le seul truc que je sais, c'est que... Ah si, si. C'est que moi, je suis pas à la course des abonnés, je suis pas à la course de tout ça. Si je dis un truc et que ça plaît pas à 3 abonnés et que je perds 3 abonnés, je vais m'excuser pour qu'ils reviennent. C'est ma façon de penser. Je me suis déjà pris la tête, hein, quand j'ai parlé avec des femmes, il y avait des 2-3 gros machos qui m'ont dit « supprime ton tweet parce que sinon, nous, on arrête de te suivre. » Bah écoute, vas-y, j'en ai rien à foutre. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une communauté qui, je trouve, est très bienveillante et qui est en adéquation avec ma pensée. Je tiens un site Naughty Dog qui met en avant l'homosexualité et je n'ai pas peur de renvoyer des gens qui sont homophobes parce que j'estime qu'on est dans une vie où, en fait, si on s'occupe de soi, ça ira bien. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas homosexuel, mais pourquoi un homosexuel pourrait me faire du mal? Non, tant qu'il ne m'impose pas son choix, et du coup, je peux le tolérer. Sa vision des choses, mais c'est ça la tolérance, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est Alvaina est une femme, vous êtes des hommes, Tramos, et on ne sait pas. Tramos, c'est un tacos. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le vivre ensemble, c'est d'accepter à un moment donné la différence de l'autre. Bon, et que l'autre nous impose pas également sa vision des choses. Dans notre hub, nous avons des gens issus de tout courant politique. Je sais pas si tu peux l'imaginer. C'est-à-dire que ils discutent pas, au moins s'ils discutent, ils vont pas se prendre la tête. Ils ont une passion commune, ils la partagent. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la technologie nous divise peut-être un peu trop. Il est évident que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Mais comme tu peux le voir, Chris, nous allons vivre des moments très compliqués, même si on n'en a pas encore parlé depuis le début. Cette crise va nous pousser à réinventer le monde et va nous pousser à nous transformer et va sans doute nous pousser à courir à des choses qui ont de la valeur. Et tu vas voir que tu vivras dans les prochaines années dans un monde qui sera en adéquation avec tes valeurs. J'espère, parce que moi, c'est ce qui me fait tenir. Je me dis que on est un truc et c'est ce qui se confirme, c'est faut arrêter de penser juste à soi. Penser aux autres, et c'est quelque chose qui pourra vous aider énormément. Nous allons vivre ce petit succès modeste, entre guillemets, de cette chaîne Twitch que j'ai lancée, mais sans que ce soit prévu. Ça a été lancé à l'arrache avec les moyens du bord, et c'est pour ça que tout n'est pas parfait, je m'en excuse. Mais là, en 2 semaines, je suis affilié Twitch, on est pratiquement 750 sur la chaîne, vous êtes déjà 5 subscribers, et ça marche plutôt bien. Mais en fait, je ne l'ai pas lancé pour moi, j'ai lancé l'idée de cet apéro du JV, c'est parce que je voyais des abonnés qui étaient mal, qui vivaient mal ce confinement. Et en fait, c'est un peu le retour des choses, j'ai fait ça sans penser à moi et ça marche. Alors arrêtez de penser à vous. Quand j'ai vu tous les gens qui sont précipités dans les magasins pour tout dévaliser, pour être sûr de eux bien vivre leur confinement, les films, les séries et les jeux nous l'ont prouvé, que penser à soi, c'est pas ce qui vous sauvera. Donc faut se serrer les coudes, faut être entre nous. Mais Chris, tout le monde a eu peur. Donc c'est tout le monde a eu peur.
tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur. Donc, en fait, la peur, c'est quelque chose de naturel. Et quand t'es pris par la peur, tu fais après des choses qui ne sont pas naturelles. C'était après au supermarché, au pays, d'imposer de plat pas de chacun un plat. Tu vois ce que je veux dire? Comme l'ont fait les pays nordiques. Les pays nordiques ont imposé un nombre de produits pour chaque personne parce qu'ils savent que à un moment donné, la peur peut te faire agir d'une drôle de manière. Et à un moment donné, quand un humain a peur et transmet la peur à un deuxième, puis à 10, puis à 100, puis à 1000, puis à 100 000, puis à 1 million, ça devient après incontrôlable. Mais je reste persuadé que tous ces gens qui se sont qui sont jetés comme ça sur la bouffe et tout ceci, tu vois, ce mois de confinement les a fait réfléchir. Ils se sont dit, il y aura un avant et après parce qu'on se rend compte que. Bien sûr qu'il va y avoir un avant et un après, mais ce qui va être surtout énorme, c'est le nombre d'éveillés qui vont apparaître à la fin de cette crise. Et on les appellera. Attends, faut trouver un nom. Ça, tu te diras. C'est vraiment qu'il y en a encore parlé en premier. Ici en premier. Ah mais en premier. Les éveillés ou un truc comme ça, mais ils seront des millions. Tu entends ce que je te dis à travers toute la planète. Parce que nous sommes tous en train de nous éveiller là. Que hommes, femmes, musulmans, chrétiens, juifs, riches, pauvres, on est tous égaux face à cette crise et que rien ne peut nous sauver. Exactement. Et que là, en fait, vraiment, que la race humaine avec un grand H, on est tous égaux. Et c'est pour ça que justement, moi je suis content parce que là, je me dis que voilà, gay, hétéro, noir, blanc, jeune, homme, femme, on est tous égaux. Donc putain, acceptons-nous comme on est. Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit de dire son avis. Attends, en même temps, on boit tes paroles. Enfin, en plus, Tramos, que tu l'as tous les jours. Tramos, comment tu fais pour. Non, et n'empêche. Attendez. Tramos, faut savoir que là, il vient de droit gonfler Valorant en plein live. Alors que moi, ça fait une semaine que j'attends. Tu viens de faire quoi là, Tramos? Il vient de drop une clé, il va l'en mettre en plein live. Il va te l'offrir, cette clé. Non. Oh le nom. C'est lié au compte, c'est pour ça. Tramos, tu vas offrir en live et en direct ces clés que tout le monde souhaite avoir, qu'on souhaitait avoir. Hein. Tu sais qu'on la souhaite, Alvena. Nous, on souhaite l'avoir là depuis deux semaines. Mais comme je sais que pour toi, là, j'ai vu le post il y a une semaine, que pour toi, c'est extrêmement important, Tramos va faire un geste proprement incroyable. Il va prouver son grand humanisme. Parce qu'en fait, c'est bannissable. C'est-à-dire que s'il me prête mon compte, il me prête son compte, et ben moi, je peux être ban Twitch et lui, il peut être ban de son compte. Donc, c'est pas possible. Bon, en tout cas, est-ce que tu vois qu'on te l'a, on te l'avait proposé. On te l'aurait offert avec Ah non, mais bon, Tramos, j'aurais dû lui arracher la clé des mains. Non, dis la mienne. Non, réellement, je voudrais lâcher les lots direct. Parce que le jeu, il m'intéresse pas. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il a joué. C'est Riot Games qui gère Valorant. C'est ça. Ouais, c'est Riot. C'est Riot. Mais attends, Chris peut faire quelque chose pour toi. Je demande. J'ai pas dit que je demande. Chris peut faire quelque chose pour toi, Alvaena. D'accord. Ah, tu verras. Si dans 2-3 jours, je voulais savoir si c'était Riot Games, c'est tout. C'est Riot Games, il y a quelques contacts. J'ai posé une question. Mais j'ai vu que, en tout cas, oui, tu voulais une clé pour te lancer en pro sur Valorant. Oui. Il y a la raison, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Du coup, voilà. En tout cas, pour revenir au sujet, voilà, Toufik, tu as séduit le chat, Toufik, je te le dis. On n'a pratiquement pas parlé parce que, voilà, à chaque fois. Quand tu parles, on boit tes paroles parce que voilà. Et c'est pour ça que je te dis, bon là maintenant malheureusement le hub est le. De quoi? J'ai juste parlé de vous trois, les amis, et de votre. J'ai aussi parlé de. Et justement, ça me touche énormément vraiment tout ce que tu as dit parce que comme on l'a dit, nous avec Danae, on t'a connu à nos débuts et tu nous as suivis. Et je tiens à dire que vraiment depuis le début.
Tu nous encourages comme ça depuis le début, tu crois en nous. Et je pense que Danae ne va pas me contredire en disant qu'on a croisé des gens qui, eux, n'ont pas cru en nous et qui, au contraire, nous ont dénigrés, nous ont un peu dit qu'on n'y arriverait jamais. Là, oui. Et tomber sur. Moi, si tu savais, moi je l'ai mise en avant à chaque fois. Je l'avais poussé pour qu'elle ait un article de presse. J'ai demandé à ce que le mec. Si tu savais, là, pareil, j'ai vu ton article de presse, mon cher Chris, j'ai vu ton article de presse que j'ai lu sur le confinement. Bravo, il est sorti quand hier. Dimanche, super bas type d'Anthony. Ouais. Non mais parce que vous faites. Mais rends-toi compte que c'est très rare. Les gens comme toi qui poussent les gens. Et moi, je peux te dire que plusieurs fois, je suis venu au hub où j'étais soit dans un bon mood ou soit ça allait pas. Et en revenant, mais j'étais toujours dans un super bon mood parce que tu as une façon de parler. Mais même pas que quand tu nous fais des compliments. Forcément, quand tu nous fais des compliments, c'est encore plus c'est encore plus touchant. Mais tu as une façon de parler qui vraiment est touchante et réaliste et qui surtout, comme j'ai dit, même quand sans parler de moi, tu as beaucoup dit des choses qui se sont révélées. Du coup, je suis content. Je me dis que peut-être que dans quelques mois, on aura une émission avec Alvaina ensemble. En tout cas, moi ce sera. Mais c'est une certitude. Mais moi, ce sera avec un grand plaisir. Tu sais, regarde Tramos, quand je l'ai récupéré dans ce projet, personne n'aurait misé le moindre copec. Mais moi, je voyais ce qui pouvait devenir. J'ai vu ce qui pouvait devenir. Et c'est ça qui est proprement incroyable. Même sa mère ne croyait pas en lui. Plus personne ne croyait en Tramos. Ma propre femme ne croyait pas en lui. Personne ne croyait en lui. Leslie ne croyait pas en lui. C'est vrai, hein, tu t'en souviens quand même, Tramos. Incroyable, tout ceci. Everything. Dès le début. Quand malgré tous les problèmes que t'as créés, tu vois, parce que c'est un boulet, Tramos, il fait des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Il fait des resets, il fait des trucs, mais. J'ai toujours cru en lui. Je peux lui. Pas dire parce que Tramos, il nous a sauvé la vie pour la soirée Rockstar Mag et c'est lui qui nous a sauvé. Donc pour moi, j'ai une grande estime. Oui, mais maintenant, c'est là que tu vois. D'ailleurs, tu vois pas tous les. Nicolas qui vient d'arriver. Donc il y a Nicolas qui vient d'arriver de Rockstar Mag que vous avez connu aussi et qui vous dit que et qui dit directement, regardez-moi, c'est plus beau. Tramos, c'est le meilleur d'entre nous avec un cœur. Voilà. Donc. Le Tramos. Et tu vois, Tramos est devenu ce qu'il est devenu. Parce que j'ai cru en lui. Et vraiment, hein, je veux dire, c'était une folie en plus. C'était complètement une folie de faire ça, mais j'ai vu l'homme qu'il était en fait et ce qu'il pouvait devenir. J'ai vu le diamant entouré de terre, entouré de bouse. Tu vois ce que je veux dire? Entouré de boue. Et il fallait juste finalement nettoyer ce diamant, lui donner toute la confiance qu'il faut. Si tu vois maintenant l'homme qu'il est devenu, je veux dire sa mère a changé de vision sur lui, ses sœurs, ses amis. Mais tu te rends compte justement l'importance que toi tu as, Toufik, parce que c'est toi. Même tu vois, comme je dis, avoir cru en Alvaina, avoir cru en moi, tu te rends compte que nous, en fait, c'est pour ça. Moi, je te dis, je te considère vraiment maintenant comme un ami très proche de moi, et je suis heureux de t'avoir en ami. Je suis heureux de t'avoir là ce soir sur cela, parce que tu es quelqu'un mais de foncièrement bon, qui a une vision incroyable. Et moi, je peux pas te dire, même là, tu vois, ce confinement, forcément, qu'il est compliqué pour nous tous, tu vois. On va pas se mentir. Et même, je veux pas parler à la place de Dana et tout, mais en tant que créateur de contenu, c'est encore plus dur parce que nous, on doit un peu arriver, sourire devant le live, même si il y a une heure, on a appris une mauvaise nouvelle, il faut qu'on soit souriant parce que nous, on est là pour vous divertir. Ce qui est encore plus dur pour nous, et je sais que pour toi, Danae aussi, parce que je vois tes stories, c'est compliqué pour toi aussi, mais c'est des choses forcément, tout ce que tu nous dis, le soutien que tu as, c'est des choses qui font vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et dis-toi à quel point c'était important pour nous. Alors, merci pour ce que tu es, Toufik, vraiment, parce que ça fait 2 ans que je te connais et tu peux pas savoir que je suis heureux d'avoir une personne comme toi dans mes amis, vraiment. Attends, parce qu'on n'a encore rien fait et tu sais qu'on va devenir un empire. Si on coule pas avec cette crise là, nous, on va ressortir grandi, on va aider tout le monde, on va aider les gens. Et... Alors, nous, le hub, je sais pas, tu vois, parce que vous vous rendez pas compte, hein, c'est quelque chose de dramatique qui est en train d'arriver pour les entreprises. Il va y avoir un nettoyage économique à l'échelle planétaire. Je pense que la moitié des boîtes ne s'en relèveront pas. Mais si on arrive à passer cette dernière étape, le dernier test, si on passe ce dernier test, je pense qu'effectivement, on va avoir beaucoup d'ouvertures là dans les 2 prochaines années là qui nous attendent. Alvaina,
il y a quelqu'un que tu connais très bien qui ouvrira aussi un hub. Je sais pas si il t'en a déjà parlé. Non. Non, parce que c'est un secret. Tu seras extrêmement surprise de deviner qui c'est et dans quelle ville ça sera aussi. Ouais, je vais te le dire. Jérémy. Royer. Non. Saint-Barth. C'est un secret. Je te jure, c'est un putain c'est un putain de secret. c'est plus un secret. Et devine quelle ville. Je sais pas. Déjà, ce que tu dis, c'est en Europe. En Europe. Bah, Saint-Barth, du coup, non? Non, ça va être Genève, en Suisse. Sérieux? Putain, il a de l'ambition. Il ira prendre le contrôle de Genève, c'est-à-dire que tous mes futurs entrepreneurs, nous allons former les entrepreneurs de demain. Nous ferons encore mieux qu'une école. Ceux qui nous rejoindront, effectivement, nous ferons d'eux des futurs grands propriétaires et responsables de salles, de grands acteurs de leur ville, dans leur secteur. Jérémy ira prendre le contrôle de Genève. Pareil, Alvaena, je compte sur toi pour épauler Valka à Paris lorsqu'il ouvrira son hub dans le Alors oui, tu m'as dit. Alors si, comme je l'avais dit... Là, je vais te le présenter. Je vais te le présenter parce que je pense que vous aurez de grandes choses à faire. Toi-même, en tant que grande influenceuse. Eh ben, très sincèrement, si il ouvre un hub à Paris, je vais tout faire pour essayer de bosser avec lui si c'est possible, très honnêtement. Moi, je pense que, et même toi, hein, et c'est ce que je disais aussi à Chris, vous êtes dématérialisé. Donc, vous avez votre communauté qui vous suit de manière digitale. Mais il faudra que vous viviez des choses avec votre communauté en créant des événements, comme avait fait Chris. Il avait créé, en fait, un petit événement Red Dead toute une nuit au hub de Valence. Toi, il faudra que tu crées, c'est une sorte de petite soirée, une nocturne avec tes abonnés. Imagine une nocturne. Alvaena, dans la salle de stream du hub de Paris, avec les abonnés installés partout dans la salle. Mais ça va être extraordinaire. En plus, il y en a ceux qui vous suivront à distance, ceux qui vous suivront, qui seront à l'intérieur de cette salle. Ça te fera vraiment un souvenir assez incroyable. Les rencontres abonnés, c'est quelque chose. Déjà, moi, là, tous les soirs, je reçois des abonnés en live, c'est déjà quelque chose. Mais l'un de mes meilleurs souvenirs jusqu'à maintenant, c'est mon deuxième Tour de France, où en une semaine, on a rencontré au total 60 abonnés dans toute la France, parce qu'ils venaient boire des coups avec nous et tout. Et je le dis, hein, il y aura forcément, il y aura forcément un troisième Tour de France, parce que j'ai envie de remettre en avant des joueurs, et j'ai envie de repartir sur ces routes, et me dire que le matin, quand je me lève, je me dis, bon, il y a 4-5 heures de route qui m'attendent, mais ce soir, je suis dans une nouvelle ville, et ce soir, il y a 5-6 abonnés qui vont venir boire un coup avec nous, on va leur offrir à boire, parce qu'à chaque fois, on offrait à boire à tous ceux qui venaient nous voir, forcément, avec Nicolas et Lucas, et c'est un truc incroyable, cool. N'empêche, Chris, Nicolas, Lucas, moi, je vous ai observé, hein. J'adore observer les autres. J'adore les voir évoluer, essayer de voir comment ils se projettent. Nicolas. Je pense que l'univers l'a mis sur ton chemin, hein, puisque je pense que tu vas devenir quelqu'un de très important. Lui-même va être à tes côtés, donc deviendra aussi quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui a pas un travail, j'imagine. Une charge de travail colossale. Nicolas, de toute façon, je le dis, c'est le rédacteur en chef rêvé parce qu'il est passionné, il est dévoué, il a une très très bonne vision de la vie. Et c'est pour ça que pour moi, quand le projet du Tour de France a été lancé, ça ne pouvait être qu'avec lui et Lucas parce que voilà, c'est. Mais vous avancez ensemble et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça que j'essaye. Si j'avais un conseil à donner en fait à tout le monde, même quand à un moment donné la réussite commence peut-être à taper à vos portes, restez avec ceux voilà, qui vous ont accompagné parce que ce sera un petit peu le garde-fou aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de garder les gens et moi c'est ce que j'ai toujours peur et je le dis à mes potes, je fais putain n'hésitez pas si vous voyez que je pars en couille, vous me le dites surtout. Alors du coup maintenant en fait, Alvaena aussi peut-être, avec le succès qui va taper comme ça à votre porte. Les amis, je vous le dis, s'il vous plaît, parce que vous allez connaître un très grand succès tous les deux. Nous, un peu moins, parce qu'on sera des gens de l'ombre. Il y aura peut-être des. Mais vous passerez vraiment à un moment donné en pleine lumière. En tout cas, je te dis, c'est pas avec des cheveux comme ça que là je passerai à la lumière. Ne vous laissez pas consumer par ce
par cette lumière qui vous brûlera et vous détruira. Et ce qui vous empêchera ceci, c'est au final ceux avec qui hein, vous avez avancé. En tout cas, ne vous en séparez pas. Voilà, là maintenant, on arrive aux 115 000 abonnés sur Rockstar Mag. 115 000, j'arrive pas à me rendre compte du chiffre parce que c'est énorme sur YouTube. Et j'essaye de rester la même personne, même d'être même encore mieux qu'avant parce que je sais que on a tous nos défauts et j'essaie au contraire d'être le plus ouvert, le plus sympa possible, le plus bienveillant. Et c'est un conseil, voilà, c'est vrai que moi, les gens qui m'entourent, je suis quelqu'un qui a énormément de voilà, ce qu'on m'offre, pour moi j'ai une dette en personne, tu vois, comme toi Toufi, pour moi j'ai l'impression d'avoir une dette envers toi tellement tu as été là, tellement je te lâcherai jamais et que maintenant j'ai hâte que ce hub réouvre pour que je puisse venir te voir et tout le temps tu vois là j'ai lancé cette émission, j'ai tout de suite pensé à vous pour vous inviter parce que vous êtes toutes trois personnes que j'apprécie et que à chaque fois je n'oublierai pas d'où je viens et je n'oublierai pas de ceux qui m'ont porté et ça c'est important. Souhaite-nous maintenant de nous développer parce que ça a été vraiment très très dur. On a été tout seul depuis le début, on est toujours tout seul. Finalement, ça m'a permis de créer en fait cette philosophie. Nous avons réorienté une partie de notre secteur, c'est proprement incroyable, jusqu'à convaincre en fait mes plus hauts dirigeants. Au mois de novembre dernier, c'est ça que je ne vous ai pas raconté, avec le président de Francisport, on a bossé sur le modèle des salles françaises. Et maintenant, effectivement, Francisport ont une sacrée vision. Ils veulent implanter une salle de gaming dans toutes les villes qui en ont pas. Est-ce que tu te rends compte à quel point on a changé les choses? Je m'en rends compte. Et maintenant, c'est pour ça que je t'invite, parce que je veux que les gens s'en rendent compte. Vous avez vraiment changé les choses. Et moi, je me permets de te dire, parce que tu nous as mais inondé de jolis compliments à Alvaina, à Tramos et à moi. Mais c'est pour ça que je tiens à te... Non, mais attention. Je le pense vraiment. Et c'est pour ça que moi, honnêtement... Est-ce que tu sais la première chose que je fais? La première chose que je fais lorsque je me lève le matin, je prends mon téléphone, je vais sur Insta, je vais regarder ce qu'a posté Tram Tram Freak Boy, ce qu'a posté Alvaina sur Twitter, sur Instagram, ce qu'a posté Chris. Enfin, les quelques personnes que je suis, que je vois évoluer vous avez été telle une graine que vous avez été plantée, puis vous êtes en train de devenir des petits arbustes, puis vous allez devenir un arbre. Je me délecte de regarder le développement de ceux que j'aime. Ce n'était pas des compliments pour vous faire des compliments. Je suis encore plus touché. Là, je suis vraiment touché, vraiment ému parce que je sais, je connais ta franchise. Alvaina poste des galères. J'en suis mal. J'en suis mal, si tu savais, j'en suis là, j'en ai le cœur retourné, j'en suis là, j'en suis malade, j'en dis putain. Et nous on est loin, et nous on est là, on est loin. On peut même pas l'appuyer. Souviens-toi, Alvaina, l'un de tes plus grands dramas, n'oublie jamais, qui est monté au créneau dans l'un de tes plus grands dramas. Tu t'en souviens ou pas? Ouais. Quel a été l'un des plus grands courages, Tramos? Et le premier à avoir monté au créneau, il m'a appelé, j'ai dit « Go, on fonce !» Il n'est pas question qu'on la laisse ainsi, ça peut prendre des conséquences. Ça peut aller très très loin. Ramos a éteint un feu de forêt en une photo. Alors, je tiens à te dire bravo. Feu de forêt. Juste ça, donc bon, on va pas revenir sur le drama, mais juste bravo Danae pour le courage d'avoir fait ça. Et comme on le dit en fait, t'es légitime, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux et on s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent. Mais Tramos, bravo aussi pour ce que t'as fait. Alors déjà pour le fou rire de quand j'ai vu ça popper sur ma timeline, parce que je l'ai pas vu venir, j'étais là et puis d'un coup je vois ça popper mais le fou rire, je crois que incroyable. Et puis pour cette preuve d'amitié et pour tout, en fait. Et il avait repris la phrase d'Alvaina et il a éteint le feu de forêt jusqu'au final, 24 heures après, alors qu'un drama comme ça, gros, mais ça dure en fait, c'est un mois. Pas drama. C'est, et là, c'est un drama, problème. C'est de la jalousie parce que y a des mecs qui se disent qu'ils n'auront jamais ça aux côtés d'eux, il y a des meufs qui disent qu'elles ne seront jamais comme ça, donc au final, c'est pas un drama, c'est de la jalousie, c'est ce que tu dis, les gens. Carrément, elle nous a posté, et en plus, je vais te dire quelque chose, elle nous a posté la création divine. Moi, j'étais. Mais bien entendu, c'était magnifique, c'était incroyable, c'était de l'art. On est dans l'art, on n'est pas dans du, c'était de l'art. Mais elle a été détruite par Tramos qui a réussi à faire mieux, malheureusement pour elle. Mais ça, c'est qu'on était en France. Écoute-moi bien, nous on était là, on ne pouvait plus supporter de la voir se faire attaquer comme ça à distance, mec.
c'est notre marque, hein, pourtant. On est monté au créneau, gros. On est monté au créneau et on a fait l'impensable. Framos a fait l'impensable. Quel génie. Incroyable. Quel génie. Il a fait l'impensable. Il a fait la même photo qu'Alva Aena en reprenant ses mots. Franchement, ça a été vu par tout le monde le lendemain. Ça a calmé tout le monde. Du coup, Tramos, il est affiché, non, il est affiché vrai, ça a dans calmé. Le hub. Mais non, on l'a pas mis. Vous voulez pas faire tirer les clients. On l'a pas mis. On l'a pas mis cette photo dans le hub. Mais c'est vrai que Tramos et moi, on était en souffle. Mais faut voir comment la petite s'est fait attaquer. C'était impensable. N'empêche, c'est vrai que là aussi, en faisant une photo comme ça, dans un monde où tout le monde est déstabilisé, tu savais que les mecs qui sont pas bien dans leur tête allaient te tomber dessus, la pauvre. Et ça, un truc comme ça, attention, hein. Imagine que tu t'en remets pas, tu te fais attaquer, tu peux penser à des idées très très noires. Hein. C'est sûr, attention. C'est ça, les gens ils se rendent pas compte des réseaux, à quel point tous ceux qui nous envoient des messages gentils en mode bah merci pour ton stream, t'es un bon streamer, merci pour ta vidéo, ça fait plaisir, ça nous touche forcément. Mais quand tu reçois des et c'est malheureusement ça devrait pas, mais on est tous humains, quand on reçoit un message haineux, un message d'attaque, ça nous touche autant négativement, mais encore plus. Et voilà, mais c'est Internet, parce que les gens, ils se cachent derrière un pseudo, ils se cachent derrière une fausse photo, et puis voilà, mais c'est le mec que tu vas croiser dans la rue et qui baisse la tête, il te regarde même pas parce qu'il a pas de courage. Mais est-ce que vous rendez même des gens, hein, qui ont des millions d'abonnés, c'est Tramos qui m'a raconté ça et qui m'a expliqué ça. Le problème des haters, c'est un véritable problème. Ces gens-là, alors qu'ils ont un succès phénoménal, sont extrêmement touchés quand mais même oui. par mais les oui. retours critiques. Moi, je connais c'est incroyable. Comment ces gens-là qui, au final, les gens qui viennent pour vous, ils vivent que pour vous détruire. Ils vivent. C'est même triste pour eux. Vous haïr. C'est triste pour eux. C'est complètement hallucinant. Le mec, il est né pour ça. Je veux dire, tu peux pas faire autre chose. Ah non, je vais me lever pour pourrir ta life. C'est complètement hallucinant. Et ces gens-là, malgré qu'ils ils ont un succès phénoménal. Ça les touche, des streamers et des youtubeurs et des journalistes qui ont plusieurs centaines, milliers, voire millions d'abonnés et qui nous le disent que oui, ça touche parce que tu forcément recevoir du bonheur, du positif, ça fait vraiment du bien et ça peut, en tout cas pour moi, changer ma journée. C'est-à-dire que vraiment, juste avant ce live, je vous le dis, hein, j'étais pas. Il se passe des choses pas très cool en ce moment pour moi et j'étais pas très enjaillé. Cela, il m'a fait du bien de vous retrouver vous et d'entendre toutes ces belles choses que tu as pu dire sur nous trois, Montoufix. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est un peu compliqué, mais cela n'est pas la question. C'est juste que justement dire que avoir un petit message gentil, ça peut changer. Oh my God. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Quoi? Mais non. Renverser quelque chose. Mais non. Renverser quoi? Let's go la clé. J'ai la clé! Ah, donc quelqu'un est intervenu? Non, c'est pas moi. Quelqu'un est intervenu? C'est Tramos. Comment t'as réussi, gros? Qui a fait quoi? C'est pas moi, savoir. J'avais commencé à justement, en disant ça, j'avais commencé, mais du coup, j'aurais pas besoin. J'avais commencé à... C'est-à-dire que quelqu'un est intervenu et qui suivait le live. C'est Tramos. Quelqu'un est intervenu. Vas-y, raconte-nous, Alva Aena, là. Vas-y, fais-nous vivre ton émotion en live. Mais là, je reviens pas. Je me suis dit, mais wesh, mais c'est pas possible. Vas-y, wesh, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Je me suis dit, attends, j'ai un email et tout, et je check toujours mes emails, et je vois Valorant, je vois non. J'ai fait, mais non, c'est pas possible. C'est quand même hallucinant qu'on en parle 10-15 minutes, hein, bon. Le hasard fait des choses. Alva Aena. Est-ce qu'il y a un hasard là? Est-ce que tu penses qu'il y a du hasard? Non, ben non, c'est pas un hasard, c'est pas possible. Moi, je pense pas que ce soit un hasard, Alva Aena. Il n'y a pas de hasard, Alva Aena. C'est exceptionnel. Quelqu'un est intervenu là. Quelqu'un est intervenu. Je me demande si c'est pas Mathias là, non? Vamos. Mais je sais pas. Quelqu'un est intervenu. Hein écoutez, les gars, non mais c'est très bien. En plus, on arrive à la fin de l'émission. Ça veut dire que tu vas pouvoir directement lancer ton jeu et du coup faire une nuit de stream et commencer ta carrière de pro gameuse. Les gars, ça fait déjà 1h23. D'habitude, c'est 1 heure d'émission, mais voilà, c'était tellement cool avec vous que j'ai pas vu le temps passer. Tramos, qui a été très silencieux, mais qui est vraiment incroyable. Je te remercie d'être la personne que tu es.
es et je te remercie pour tout ce que tu fais au Hub, en tout cas. Et c'est avec un grand plaisir que tu peux revenir, que vous reviendrez. Parce que si je vous invite, ce sera forcément ensemble. Toufik, pareil. Ça n'en fait pas là. Ah là, on va laisser le mot de la fin à Alvaina. Incroyable. Toufik, un grand merci pareil pour la personne et surtout l'ami que tu es, parce que tu es incroyable. Tu es un peu un modèle pour moi aussi. On n'a rien. T'es un peu un modèle. C'est rien. Mais on va y arriver. T'es un peu un modèle pour moi parce merci, que t'es incroyable. T'es toujours là. T'es toujours le smile. Même quand il t'arrive un peu des couilles, t'es toujours positif et tu nous aides. Et du coup, merci à toi, Danae, d'être venue. Et ben, surtout, merci beaucoup à vous d'avoir pris du temps aussi à pouvoir m'inviter, à prendre du temps pour vous, etc. Et surtout, si vraiment tu fais d'autres émissions qui sont vraiment cool comme ça, Chris, n'hésite pas. Je suis vraiment OP puisque j'adore ce genre de concept aussi. Donc il n'y a aucun problème. Et merci beaucoup. Il y a, comme je l'ai dit, trois émissions qui sont en préparation. C'est le pont entre Alvaina et Ishtar. Oui, c'est très important. Je veux les voir là dans les prochains jours. Mais comme j'ai dit, j'ai 3-4 émissions en préparation, dont une justement qui parlait d'émissions de jeux vidéo, comme tu disais, Toufik. Alors pourquoi pas créer ta vision bientôt. Donc je ne sais pas encore. D'ici cet été, j'aimerais lancer des trucs. Alvaina, je te jure, fais-le. Moi, je te jure, fais-le, faites-le. Mais faites-le, ça ira tellement. Enfin, c'est... Vous allez bien ensemble. Attends, une carrière de pro gameuse a débuté dès ce soir. Du coup, bah écoute, ça me fait très plaisir que tu aies reçu ta clé comme ça enfin live. Ça fait très plaisir. On l'a vu sur ta réaction, Ta réaction incroyable. Moi, je pense que Tramos. Je suis désolé. Au début, j'ai cru qu'il y avait un truc grave. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe. Mais non, au contraire, c'était cool. Du coup, un énorme merci à vous. Vraiment, ça on t'aime. Mais moi aussi, on t'aime, je vous aime. Continue à faire ce promis, que tu fais. Promis. J'espère que tes petits soucis là vont passer. De toute façon, on va tous avoir des problèmes, Chris. Donc, ne t'en fais plus pas. Il va falloir relativiser. Ces petites heures, il va falloir tous les soirs, les petites heures comme ça, que ça fait du bien. Merci au chat. Voilà, là, bon, on aura beaucoup entendu tout parce qu'il a un dialogue. Suivez le Hub eSport. De toute façon, si vous regardez le replay sur YouTube, dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens pour suivre Alvaina sur Twitter, sur Twitch. Il y aura tous les liens pour suivre le Hub, Tramos et Toufik. Non, mais pas Alvaina. Regarde ça. C'était le pensée qu'elle allait jamais l'avoir. Ah ouais, non, mais j'en pouvais plus, je me suis dit, c'est pas possible. J'avais commencé à faire, j'avais préparé le mail et tout, j'avais un contact et tout pour essayer de voir, mais du coup, pas besoin, donc c'est... Il y avait quelqu'un qui regardait, il y a quelqu'un qui regardait, voilà ce que je dis. Quelqu'un qui regardait, et tu as reçu ta clé, Alvaina. C'est incroyable. Je crois que cette interview me porte chance, en fait. Mais tant mieux. Du coup, on va pas t'embêter plus, tu vas aller pouvoir t'éclater. En tout cas, merci à vous trois. Et puis du coup, merci beaucoup à vous. Voilà, à très vite, on espère. Et oui. Et à très vite. Allez, plein de bisous, les gars. Et à très vite. Je terminerai quand même pour souhaiter bon courage à tout le monde. Ça va être très compliqué quand même ce qui nous attend à tous. Mais on va rebâtir de très grandes choses. On doit tous avoir un futur intéressant pour tout le monde. Et vous allez voir que peut-être que ça va être compliqué là dans 2 mois, mais dans 1 an, notre pays en ressortira bien plus fort. Ça va être exceptionnel. Ce que je vous ai dit, Toufik, en général, il prédit bien l'avenir. Donc, on reste positif, les amis. Notre pays en sortira grand leader, j'en suis persuadé. À très vite, les amis, à demain pour un nouvel apéro spécial Tous Gamers avec Hichem et DJH. Et du coup, les amis, à très vite. Bonne soirée à vous. Salut. Bonne soirée. Bon,